Évoquons Pierre Besson, originaire de Chélade, victime de la Grande Guerre, et son livre « Un pâtre du Cantal », dont les personnages, la toinoune, le chat, le vacher Caro, sont dignes de ceux de Gaspard des Montagnes. Il nous conduit dans les solitudes herbeuses de la Font-Sainte. De la Croix de Rochemontée, on les découvre parfaitement. Apchon et les ruines de son château féodal. Les rudes montagnes de Colandre. Et bien sûr, le buron de la Font-Sainte à l'ombre du sanctuaire marial, résidence d'été de cette Madone transhumante, sœur de celle de Vassivière, montant avec les troupeaux au chant du coucou et redescendant aux premières gelées d'automne. La Mère de Dieu apparut ici au milieu du XVIIe siècle à Marie Galvin et lui demanda de faire construire un humble sanctuaire au-dessus de la source qui a donné son nom au pèlerinage. Car très vite, les pèlerins accoururent en foule dans ce site. Aussi, la tourmente de la Révolution passée fit-on construire la grande chapelle actuelle à l'appel d'un missionnaire auvergnat à l'âme de feu, le père Murat. Ce tableau évoque les grands concours de foule. Mais il y a souvent des pèlerins isolés. Ils viennent se recueillir devant la vénérable statue offerte à Marie Galvin par Monseigneur Massillon, évêque de Clermont. Combien sont encore capables de comprendre les termes languedociens du cantique primitif? C'est la naïve prière d'un petit pâtre qui demande à la reine du ciel de le protéger des orages et d'en faire demain un vacher compétent. La séance de traite de l'après-midi, dans le grand soleil d'août, est l'heure du farniente pour la jambe bovine. Ce pâtre est déjà presque un adulte, mais au parc à Traire, il accomplit le même travail archaïque que son devancier, car Sa Majesté, la vache rouge de Salers, ne consent à donner de son lait à l'homme que si d'abord son petit a eu sa part. Ce vacher, muni de l'antique cello à un seul pied, chante en traillant. Les anciens n'avaient sans doute pas tort lorsqu'ils prétendaient que le chant incantatoire favorise la lactation. Même pas
deux fois, une chose. Solavari, vecchio della Montogna, Solavari, vecchio della Montogna, Solavari, la prima d'Argentà, perché tu paro paio della Gensona, perché tu paro paio della Gensona, perché tu mai in ammia si la vien. Ces enfants sont si négligents. Heureusement que je suis là, moi, la mère, pour le bon coup de peigne. E mio lo allevero in avanza, al mio rottore l'avere visto fuiarlo. A chacun son festin. Se mio timo seia, laia de oso te faromove piccondo, laia de oso te faromove. Ces antiques gerles, le croirait-on, contiennent près de 200 litres. Et c'est déjà presque la fin de la traite. Et maintenant, pour les petits, comme pour les adultes, les grands espaces et les bons pâturages parfumés à la réglisse. C'est tout de même autre chose que la portion d'herbe de la ferme, étroitement mesuré par le perfide berger électrique. Et voici le buron ou mazuc, tout à la fois chambre à coucher, cuisine, salle à manger et surtout, à sa façon, laboratoire. Et, jouxtant le buron, la porcherie. Si le lait est réservé aux humains et aux jeunes veaux, le petit lait, accompagné de concassage, fait les délices des porcs. Ces habillés de soie, comme on disait jadis, en parlant par respect, aiment à tel point la montagne qu'ils crient à rendre l'âme lorsqu'on les force brutalement à la quitter. Mais peut-être devinent-ils que cet ultime voyage se terminera sur l'étal du charcutier.
écoutons Besson nous décrire la fabrication des fourmes du Cantal. Caro prend une louchée de présure, la dose avec précision, puis la mélange à toute la masse blanche par un mouvement de brassage. À la surface, il trace une croix pour éloigner les mystérieux lutins qui s'amusent parfois à empêcher le lait de cailler. La caillade faite, Caro saisit un disque de bois muni d'un manche et percé de gros trous. Le plonge dans la gerle, l'enfonce, le remonte, le replonge dans tous les sens afin de bien émietter le lait caillé et de provoquer ainsi la séparation du petit lait. Puis, il mène le lait avec la trisse à doux, une planche de sapin de la largeur de la main, tandis qu'il entonne doucement une lente mélopée, deux ou trois notes d'un air très simple et très vieux, que lui avait appris son père, vaché comme lui, un ronron somnolent dont il berce son lait comme un nourrisson malade. Suit la description par Besson d'une opération qui désormais appartient à un passé révolu. Ayant séparé le petit lait de l'atome grâce à un récipient de bois, le poussic, qui lui existe toujours, Caro, après avoir relevé son pantalon jusqu'à la cuisse, presse l'atome avec ses genoux. Actuellement, l'opération se fait mécaniquement, comme vous pouvez le constater. De jolis blocs rectangulaires qu'on appelle les incalas. Ceux-ci doivent être frisés, c'est-à-dire réduits en fines particules ou brises. Sale judicieusement. C'est là tout l'art presque de la réussite du fromage du Cantal. Dans les formes. Et c'est pour cette raison que le fromage s'est appelé fourme. Ces formes seront ensuite placées sous le pressoir. À la fin de l'opération, on retirera une magnifique pièce d'une quarantaine de kilos. Te faro morire che la io te faro morire che la io de mi per qua.
Elle ira mûrir dans la cave, sous l'œil vigilant du vacher, aussi fier de son estivade que le patron en personne. Le lever matinal, les multiples travaux du parc et du bureau, comme aussi l'air vivifiant de la montagne, ça creuse l'appétit. Fort heureusement, les solides nourritures et le vin généreux ne font jamais défaut dans un bureau. Mais souvent, le vacher renonce à sa vie d'ermite et à ses repas solitaires. À quelques centaines de mètres de sa demeure, il y a l'abri du pèlerin, construit jadis par un zélé serviteur de Notre-Dame, l'abbé Magne. Son successeur, l'abbé Bouty, réserve le meilleur accueil à ses voisins les buronniers. Et il n'est pas rare de déguster ensemble ces plantureux aligots à base de thon et de crème auxquels certains de nos restaurants doivent leur réputation. Et Noémie, fiaga bien votre patranque, sera bonne. Et voici la davalade, le départ des troupeaux pour la vallée de Chélade. La Madone ne va pas rester seule dans ses solitudes bientôt enneigées. Demain, les cires viendra battre rageusement les murs du sanctuaire. Allons, bonne Vierge de la Font Sainte, il est grand temps pour vous aussi de descendre. Et voici des paroissiens d'Orion, Colandre, Chélade ou Marchastel, venus vous escorter en chantant vers votre résidence hivernale de Saint-Hippolyte, toute parfumée d'encens. Notre-Dame de la Font Sainte, veillez sur nous toujours. Des fauves et mailles bien l'ouvrent.